Alors, chers parents, et bienvenue à notre journal Zoom. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les informations les plus importantes de Bogota et du monde entier. Bienvenue. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Je m'appelle Marie, ça va? Bonjour, je m'appelle David, ça va? Merci. Aujourd'hui, nous allons parler des animaux. Oui, parfait. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de vos animaux. Que pensez-vous? Je suis d'accord, mais je propose aussi une vidéo d'un certain animal créé en France. Oh, je suis super d'aller voir cette vidéo et cette série. Bienvenue. L'argent qui fera mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Merci beaucoup, madame. Si vous avez mal à la tête ou au ventre, venez chez le médecin. C'est votre santé. Pas ça, et bien vas-y sans moi. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter la météo au Bogota et à Cali. Bogota. Lundi, il y a du soleil et du vent. Mardi, il y a du soleil et il pleut. Cali. Lundi, il y a du soleil et du vent. Mardi, il y a du soleil et le ciel est bleu. À Bogota, tu devais porter une chemise et un pantalon. À Cali, tu devais porter une robe ou une short et une chemise. Merci, au revoir. Chanson tralali, une chanson tralala. Aujourd'hui, nous allons parler de la météo dans les villes de Barranquilla et Manizales. Le climat dans les villes de Manizales sera. Il va faire très froid,
il va pleuvoir et le ciel sera gris. Le climat dans la ville de Barranquilla sera. Il va faire très chaud, il y a du soleil et le ciel sera bleu. Je recommande par la ville de Manizales de rester à la maison. Et par la ville de Barranquilla, profitez de la journée. Bonne soirée et merci à toi. Au revoir. C'est pas si simple. Bonjour. Pour aujourd'hui, nous voyons cuisiner des crêpes. Et notre chef est Ursule. Merci et bonjour. Pour la recette d'aujourd'hui, ça c'est les ingrédients pour 4 personnes. C'est 250 grammes de farine, c'est ça. 4 eggs, c'est ça. 2 ml de lait, c'est ça. Un pince de sel, c'est ça, petite. 2 cuillères à soupe de sucre et 50 grammes de verre fondu. Pour la préparation, mettre la farine dans une saladière. Avec la sel, le sel, tout le sel et la sucre. Battre le sel. Incorpore la farine et ajoute le lait froid petit à petit. Le lait et mélanger. Ajoute le beurre fondu et mélange bien. Le beurre fondu et mélange bien. Magnifique. Mesdames. Okay. La palabra.
Ne fais pas comme ceci, moi je fais comme cela, c'est ma manière à moi. Moi je dis comme cela, mais on dit comme ceci, et c'est plus juste ainsi. Ne va pas par ici, moi je vais par là, passe ou passera pas. Selon moi c'est par là, selon nous c'est pas ça, et bien vas-y sans moi. Oh mon amour, la vie à deux, tu vois, c'est pas si simple, du moins ce que l'on croit, du moins ce que l'on croit. Ne mate pas celle-ci, mais je matais celle-là, et c'est moins grave, tu crois. Fais-moi un bisou là, suis-moi, on va au lit, tu ne penses qu'à ça. Si on partait là-bas, rien que nous, you and me, je veux rester ici. Je t'aime moi aussi, une chanson tralali, une chanson. Je m'appelle Guilla. J'ai vous présenté la blessure de Sergio Ramos. La blessure de Sergio Ramos qui l'a forcé à quitter le Real Madrid Athletic Bilbao à jour de mi-temps. Est empêché à rejoindre l'appel à Vicente del Bosque, à jouer rouge contre la Slovaquie et le Luxembourg. A souvent des inquiétudes dans le personnel médical de Real Madrid. Merci. Au revoir. Bonjour les filles et les garçons. Ici vous allez apprendre à connaître la dernière nouvelle du basket. D'abord, je vous annonce que Shane Sterling annonce qu'il va rendre Los Angeles Clippers à l'ex-chef de Microsoft Steve Ballmer pour 2 millions de dollars. Pour lui, je vais parler de 10 mesures joueurs dans le monde. Tra-la-li. Au revoir. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Paris pour voir le Roland Garros. Qu'est-ce que c'est un Grand Slam? C'est un des tournois les plus importants du monde. Et plus beaucoup de joueurs professionnels viennent ici pour participer. Dans ce tournoi, les garçons et les filles peuvent jouer. Il y a un style appelé simple. Et il est quand on joue contre autre personne. Et il est autre style appelé double. Il est quand on joue contre autre deux personnes. Il y a un champion pour les doubles à l'ensemble. En ce moment, les joueurs espagnols Rafael Nadal et les joueurs serbes Novak Djokovic sont en train de jouer en jambe centrale. Et les joueurs russes et les joueurs Maria Sharapova et les joueurs serbes Ana Ivanovic sont en train aussi. Ce tournoi n'est pas le seul grand slam de l'année. Il y a 4 total. Voici la liste. Première, les US Open joués aux États-Unis. Deuxième, les Australian Open joués en Australie. Et le troisième, le Wimbledon, joué en Angleterre. Ma chambre a la forme d'une cage. Bonjour, venez voir. Ok. Bonjour, madame. Bonjour, madame et madame. Aujourd'hui, je vais vous présenter la météo à Bogota et à Cali. Non! Bonjour à tous!